Nzambe Yesu mosusu te obele yo au-dessus de tout Seigneur. Au-dessus des attaques éternelles pour mon règne. Parce que Seigneur, tu as la force et tu as la puissance en toi, éternel. Qui nous amène encore au-delà. Osanzambe Yesu, mon sous-souté. Lève sa voix. Alléluia. Commence à adorer ce roi de rois parce qu'il est le Seigneur de Seigneurs. Oui, nous entendons dans sa présence avec des cantiques de joie. Oui, tu peux encore l'adorer par le par juste lui dire que tu es Dieu. Oui, tu es Seigneur. Come on. Zanzambe, mon côté à Kokanina yo. Assurance et la vie nanga, merci à go. Bousala, bébé, nina yo. Sécurité et la vie nanga, et bon ami. Alléluia, Zanzambé. Bon Zanzambé, Zanzambé, bon sous-souté. Bon sous-souté, bon bébé, assurance et vie n'a pas, je suis un beau. Nous allons la pembe, nina, 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 assurance et vie n'a pas, la vie n'a pas. Quand on a peine, béni n'a pas. Quand on a peine, béni n'a pas. Quand on a mon ami. Alléluia. Alléluia. N'a nous n'a mon ensemble, mon sens. Alléluia. Dis-moi qu'on confond ton Alléluia, Alléluia,
Toi tu nous parles, c'est toi qui as la parole de vie. Nulle part nous pouvons aller et être comblés, être consolés qu'auprès de toi Seigneur. C'est auprès de toi que nous avons la paix, c'est auprès de toi que nous avons la vie. Parle-nous Saint-Esprit au nom de Jésus. Merci. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Je vous prierai d'accepter de bénir votre frère, votre soeur et votre côté, à vos côtés. Tu tiens sa main, tu lui dis quelque chose de bien de la part du Seigneur. Gloire à l'Éternel. Vous avez déjà fini de bénir votre frère, votre soeur? Bénissez-vous encore. Dis à ton frère, ne tiens pas seulement la main, mais bénis-moi. Qu'on fasse quelque chose de bien. Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel. Amen. Avant de commencer le message, je voudrais... d'abord honorer certaines personnes. D'abord, je donne gloire à Dieu. Lui qui nous a soutenus. Il nous a conduits jusqu'à Lusaka la semaine dernière et il nous a ramenés en paix. Que Dieu soit loué. Et qui n'a pas cessé de bénir son peuple que vous êtes. Le dimanche passé, le pasteur Fabien était l'instrument que Dieu s'était choisi pour bénir son peuple. Pasteur Fabien alikuwa ni chombo ambayo alichapuliwa juu ya kubariki taifa. Je l'ai suivi sur YouTube. Baba alimfuata pa YouTube. Et je bénis l'Éternel. Na anabariki wa milele. Je vous encouragerai de même de suivre votre église. Sur les réseaux sociaux, c'est très important pour votre édification. Et également, nous vous conseillons de partager tous les messages de l'Église. C'est une façon d'édifier le monde et aussi d'évangéliser. Si tu peux dire Amen et prendre part à cette action. Ainsi, glorifiant l'Éternel, j'aimerais aussi dire merci à la commission de presse. À l'occurrence du président Dominique Kabasele. S'il peut se tenir debout, vous pouvez aussi les voir, les connaître. Tout ce que vous voyez, c'est lui, le président de la presse. Et c'est vraiment l'année d'influence parce qu'ils font des choses très bien. Est-ce qu'on peut les acclamer ensemble avec son équipe? Que Dieu les bénisse. La pensée de Dieu au travers du message qui avait été donné tantôt là, c'est que nous puissions craindre Dieu. Être véritablement des brebis du Seigneur. Les brebis du Seigneur obéissent à la voix de Dieu. Et obéissent également aux serviteurs que Dieu a établi. Le message de Dieu et la pensée de Dieu, c'est aussi quoi? Si vous ne voulez pas craindre l'Éternel et que vous êtes hypocrite, Dieu s'occupera de vous. Mais j'exhorte l'Église, retournons à l'Éternel. Parce que mieux vaut tomber entre les mains d'un homme que d'entre les mains de Dieu. Par rapport à la correction, je suis bien sûr. Parce que si tu es victime
auprès d'un homme, Dieu peut te délivrer. Kama umepikana mais si tu tombes victime de main de l'Éternel, qui va plaider pour toi? Ça sera difficile. Amen, amen. Amen. Et Dieu, par son amour, na Mungu kwa pendo lake, a ôté la mort du milieu de nous, anatosha kifo katika s'est tiyaki. Engagé à guérir toutes les maladies, na akaingia kuponya magonjwa, à nous donner la lote. Paix et la joie. Kutupachia salama nous acclamons pour recevoir ce message-là de Dieu. Tu ya kupokea yo uchumbe tokea Mungu. Depuis le vendredi, nous avions... introduit un autre sous-point par rapport aux influences. Alors nous avions dit que nous n'allons pas nous éterniser sur les influences négatives. Nous voulons donner cette influence négative qui va nous aider à faire une transition pour entrer directement dans les influences positives. Et depuis le vendredi, nous sommes en train de parler de la peur et de mauvaises pensées. Nous avons pris notre texte de base pour ce point. Dans le livre de Nombres, chapitre 13, les versets 32 et les versets 33, que j'aimerais directement lire. La Bible dit, et ils décrièrent devant les enfants d'Israël, les pays qu'ils avaient explorés. Ils disent, les pays que nous avons parcourus pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Yote ambayo tulio ona ni watu wa urefu kubwa. Et nous y avons vu de géants. Na tulipo ona wa kafiati. Enfant d'Anak. Wana wa Hanaki. Et la race de géants. Wa mkizazi kia wa kafiati. Nous étions à nos yeux et au leur. Tulikuwa kwa macho letu na kwao. Comme des sauterelles. Kama wampanzo. Par définition, nous avions dit que la peur était un sentiment d'angoisse. Kwa maana yake tulisema oga inakuwa ni nia za oga. Éprouvée en présence d'un danger. Yenye kuonesha muwapo wa hatari. Réel ou supposé. Ya kweli au yenye ambayo unafikiria. C'est également un trouble mental caractérisé par des sentiments d'inquiétude. Ni mvuruko ya akili yenye kushikwa na hiyo nia ya huzuni ama mangaiko. Aussi par les sentiments d'anxiété ou de crainte. Na nia hiyo ya oga qui sont suffisamment prononcés inasemewa pour perturber les activités quotidiennes de la personne. Tu ya kuvurushwa maisha ya kila siku ya binadamu. Donc, les sentiments qu'on éprouve nia ambayo unaonesha, lorsqu'on est face à un danger, wakati unakuwa karibu na hatari, si c'est un sentiment d'angoisse, kama ni nia iyo za uzuni, ça c'est la peur. Iyo ni hoga. Le danger peut être réel ou non. Hatari inaweza kuwa ya kuonekana wapana. Ça peut être supposé. Inaweza kuwa inyambayo unafikiria. C'est un trouble mental. Ni mvuruko za akili. L'homme perd un bon raisonnement à cause des inquiétudes. Anapotesha kufikiri mzuri juu ya mauzuri. L'homme est perturbé dans ce qu'il fait à cause des inquiétudes. Binadamu amevurushwa mwili anafanya juu ya mauzuri. Et tout cela c'est parce que il a la peur. Yote ile ni juu anakuwa na hoga. Et nous avions vu que lorsque la peur vient, na tulipoona wakati oga imekuja, premièrement, elle amplifie les dangers. Ya kwanza inaleta unene kwa ile hatari. Secondement, elle empêche à ce que l'homme n'avance. Inazuiza kwa kule mutu ende mbele. Israël devant Goliath ne pouvait ni avancer ni reculer. Israeli mbele ya Goliati ya kuweza kusogea mbele au kusogea nyuma. Israeli alikuwa na oga. 40 jours.
Miaka makumi mahine. Saul était là avec son armée. Saul alikuwa pale na jeshi lake. Ne faisant rien, wasipo kufanya kitu, je tremblais. Na alikuwa tunatetemeka. Juste parce que Goliath, juu ya Goliati, s'est levé, alisimama, et prononcé des paroles, alitangaza misemo, en les insultant, mukuwatukana, sans même avancer lui-même pour ne combattre, bila hata kusogea mwenyewe, il s'imaginait des choses, wao wenyewe walifikiria mambo na walitetemeka. Alors c'est pareil, ni umoja moja à ceux-là que Moïse avait envoyé pour explorer Canaan. Wala mbayo Musa alipotuma juu ya kwenda kupeleleza Canaan. Voyant seulement le fils d'Anak, mukuona tu wana wa Anaki, il commence à faire des déclarations et à s'imaginer des choses qui n'étaient pas réelles. Wanaanza kujisemea mambo na kufikiria vitu ambavyo vikukue vya kweli. Ils disent par exemple au verset 31. Wanasema kwa mfano mshahidi wa 31. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Atuweza kupanda juu ya taifa hiyo. Pourquoi? Kwa nini? Et même ils répondent. Wenyewe wanajichibia. Ce peuple est plus fort que nous. Taifa hiyo ina nguvu kuliko sisi. Mais la surprise, c'est laquelle? Mashitusho ni nini? Ils n'avaient jamais combattu contre ce peuple. Hawakukombanake hata kamwe juu ya taifa zile. Mais eux-mêmes ils disent ils sont plus forts que nous. Wao wenyewe wanasema wana nguvu kuliko sisi. Et je dis ceci. Baba nasema hivi. Ce que toi tu crains, ile ambayo unaogopa, te crains aussi. Nayo inakogopa pia. J'aimerais dire à quelqu'un, même les serpents que vous voyez. Baba napenda kuonesha mtu hata njoka, nyoka ambayo mnaona. Il craint aussi l'homme. Anaogopa naye mtu. Voyez le chat méchant là. Munaona imbwa kali yule. Il craint aussi l'homme. Anaogopa kanaye binadamu. Mais tu seras toujours défaitiste à cause de ta peur. Lakini utakuwa paka mwenye kutosheka kwako juu ya oga wako. La peur ne t'aidera jamais à remporter la victoire. Oga itakusaidia kamwe kwa kupata ushindi. La peur t'amènera toujours à échouer. Oga itakupeleka paka kwa kushinda. Parce que la peur étouffe la foi. Kwani oga yayo inajibiria imani. Quand vous allez dans Marc chapitre 4, mukaenda mkitabu kia Marko sura ya 4, l'histoire de la traversée, adisi ya hiyo kutambuka, Jésus reproche aux apôtres, Yesu anamakia wanafunzi, le manque de foi, hiyo kupusa imani. Ils avaient peur de la tempête, walikuwa na hoga ya zoruba, à telle enseigne que tout ce qu'ils ont vu dans leur pensée c'est la mort. Kwa kusema yote, ambayo waliona mwazo wao ni kifo. Ils vont même dire au maître, wakaenda kumonesha hata mwalimu, ne t'inquiète pas de ce que nous sommes en train de mourir. Awangaike kwa nini kwa hivi tunakuwa na fariki. D'abord, vous-même vous dites qu'il est le maître. Est-ce qu'on peut parler ainsi à son maître? Wenyewe munasema anakuwa mwalimu zenu. Eti, wanaweza kusema hivi kwa mwalimu. C'est comme s'il déplaçait même le langage. Ni kama vile walienda mbari na misemo. Parce que quand tu dis à ton maître, ne t'inquiète pas de ce que nous mourons. Wakati unasema kwa mwalimu wako usizunike kwa hiyo tunaona. Qu'est-ce qu'il voulait exprimer? Nini aliweza kuonesha? Premièrement, toi tu n'as pas peur, pourquoi? Ya kwanza waona naoga juu ya nini? Deuxièmement, donc nous sommes en train de faire des efforts, toi ça te dit absolument rien. Ya pili tunakuwa na famba nguvu wa ikoneshe kitu. Jésus n'a pas eu peur de la tempête. Yesu hakukuwa na oga ya zoruba. Il a dit silence. Anasema kimya et le danger était changé. Atari iliyobadiliko. Automatiquement il est reproche le manque de foi. Pale pale yao anawamakia kwa kukosa imani. La peur étouffe la foi. Iyo imani inafunika. La peur plonge dans les inquiétudes. Iyo inafunika imani na inaingisha. Je dis aussi que la peur décourage. Nasema tena oga inapunguzwa kiasi. Ils ont dit nous ne pouvons pas monter. Atuweza kupanda. Pendant que Dieu, wakati ile Mungu, déjà au verset 1er et 2, ushahidi lake la kwanza na la pili, disait à Moïse, alikuwa anamwambia Musa, envoie-les explorer les pays, watume wapeleleze nchi. Mais quel pays? Nchi gani? Le pays que je donne aux enfants d'Israël. Nchi ambayo naleta kwa wana wa Israeli. Amen, amen. Amen. Devant l'obstacle ou au-delà de l'obstacle, au zaidi ya kikwazo, il y a ta bénédiction. Kuna baraka zako. N'aie pas peur. Usiwe na hoga. N'aie pas peur. Usiwe na oga. J'ai donné beaucoup d'exemples le vendredi. Baba leta mifano mingi mkazitano. Et quand vous allez au verset 32 du même chapitre. Ukaenda kushahidi lake ya 32, mshahidi moja moja. De nombre plutôt chapitre 13. Esabu sura yake la 13. Il dit c'est un pays qui dévore ses habitants. Ni inchi ambayo inapepeta wakaji wake. C'est contraire au verset 27 où eux-mêmes il donnait les témoignages, c'est vraiment un bon pays. Et en voici les fruits.
Wao wenyewe walileta ushuhuda ya kwamba ni inchi nzuri na nyonyeni matunda. Ils constatent que ce que Dieu leur avait dit, wanatambua kwa menyambao mbali wali. C'est la vérité. Ile inakuwa ukweli. Ils ont vu ça. Walipoiona. C'est un bon pays. Inchi nzuri. Mais la peur change cela. Oke na batirisha ile. Au lieu de parler d'un bon pays, kabla waseme ils commencent à dire c'est un pays qui dévore ses habitants. Wanasema ni inchi ambayo inapepeta wakati yake. Et nous-mêmes, na sisi wenyewe, à nos propres yeux, macho letu, nous sommes comme des sauterelles. Tunakuwa kama wampanzo. Et même à leurs yeux, hata kumacho nous yao, sommes comme des sauterelles. Tuku kama wampanzo. Et je dis ceci à l'assemblée. Baba anasema hivi kumakutano. Peu importe. Ingawa. Ce qu'on peut dire de toi, ile wanaweza kusema que tu sois une sauterelle en face d'un adversaire, kukuwe mpanzo mbele ya n'aie api, pas peur. Usiwe na oga. Parce que Dieu, Mungu, il utilise aussi des sauterelles comme son armée. Anatumikishaka wampanzo kama jeshi. Amen. Et tes ennemis, wajui wako, te serviront de pâture. Watakusaidia kuchakula za mayani. Parce que Dieu est avec toi. Kwani Mungu ni pamoja nawe. Et le vendredi, pour finir, j'ai introduit. Na mkazi tano juu ya kumaliza baba aliingizwa. Inviter les gens à l'influence positive. Kualika watu kwa kusukumwa kuzuri. Nous avons à vaincre ces sentiments de peur. Ah, tu n'as pas choix kushinda. Nous avons à vaincre ces pensées négatives. Tu n'as pas choix kushinda hiyo wazo mabaya. Comment le faire? Namna gani kuyafanya? Comment parvenir à cette namna victoire? Namna gani kufika ku ile ushindi? Premièrement, kwa kwanza, en ayant confiance en Dieu. Mukutumainia Mungu. Le premier verset, c'est le psaume 27. Shahidi la kwanza ni Zaburi. David est en train de dire, Daoud anakuwa anasema, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Wa milele ni nuru langu na wokovu langu. De qui aurais-je crainte? Taogopa nani? L'Éternel est le soutien de ma vie. Wa milele ni musada wa maisha langu. De qui aurais-je peur? Taokuwa na oga juu ya nani? Il faut avoir confiance en l'Éternel. Inapasha kutumainia wa milele. La confiance en l'Éternel peut se définir par la foi en Dieu. Inaweza kuleta maana yake kwa imani mwa Mungu. Je crois que Dieu existe, oui. Naamini Mungu iko, ndio. Mais je dois également croire. Napasha tena kuamini. Qu'il y a aucune situation. Hakuna ajira hata mauvaise qu'elle soit. Mubaya inaweza kuwa. Aucune personne. Na hata mtu mmoja. Amen. Tout comme démoniaque spirituel. Watu wa kimtu sawa sawa wa kidemona. Ne peut empêcher à Dieu d'accomplir son plan pour ma vie. Anaweza kuzuiza Mungu kutimiza matengenezo lake kwa maisha langu. Amen. Je crois en Dieu. Minaamini mwa Mungu. Que même lorsque la situation est pire et difficile, wakati mambo inakuwa mbaya na kigumu, Dieu fera quelque chose. Mungu atafanya kitu kimoja. Dieu fera quelque chose. Mungu atafanya kitu kimoja. Dieu, Mungu, il est merveilleux. Ni wa mastajabu. Nous avons toutes les raisons possibles du monde. Tuna masababu zote za ulimwengu. De placer en lui notre confiance. Ya kuweka ndani yake matumaini zetu. Alléluia. Amen. C'est comme le disait Hardy lorsqu'il prêchait lors de notre séminaire la fois passée. Ni kama ndukwardi alikuwa anasema wakati alihubiri ku semina ya masiku iliyopita. Il disait en Jésus nous avons une garantie qu'aucune autre garantie ne peut nous garantir. Ndani ya Yesu tuna akiba hakuna hata akiba mmoja naweza kutuakibiwa. Une autre garantie. Na inakuwa akiba letu. Il avait dit ça ici. Alisema hapa. Faites confiance en Dieu. Tumaini ya Mungu. Faites confiance en Dieu, église de Dieu. Tumainieni Mungu kanisa la Mungu. Dieu est toujours là. Mungu iko hapo. Il est avec toi. Eko pamoja nawe. Même lorsque il y a 1000 personnes contre toi. Hata wakati kuna kwa watu wa 1000. Aussi longtemps que tu as l'assurance que tu as en Dieu. Pale unahakikisha kwamba Mungu. Et que Dieu est avec toi. Na Mungu ni pamoja nawe. Ne crains rien. Usiogope kitu. Fais-lui confiance. Umtumainie. David dit, il est ma lumière. Daudi anasema ni nuru. C'est-à-dire, maana yake, il change les ténèbres en lumière. Aussi longtemps qu'il est avec moi, les ténèbres ne peuvent rien faire. Il est mon salut. Et le salut de Dieu, c'est dans la totalité. Dans tout ce qui te concerne, quand Dieu te sauve,
il t'a sauvé. Wakati Mungu anakokoa, anakokoa. Amen, amen. Amen. De qui aurais-je crainte? Taogopa nani? Il est mon soutien. Ni msaada langu. De qui aurais-je peur? Taogopa nani? Même dans ma faiblesse là. Hata muzaifu. Je sais que Dieu va me soutenir. Ninajua Mungu atanisaidia. Je ne peux pas avoir peur. Siwezi kuwa na oga. Il y a des hommes dans la Bible comme Daniel. Kuna watu mu Biblia kama Danieli. On lui dit, on va te jeter dans la fosse au lion. Il dit oui. Watakutupa mushimu la simba. Anasema ndio. Je n'ai pas peur, jetez-moi. Sina na oga, munitupemo. Ses compagnons. Awa warafiki zake. On leur dit, on va vous jeter dans le feu. Wanawatemituma motoni. Il dit, il n'y a pas de problème. Asakuna maneno. Jetez-nous dans le feu. Mututupe mumoto. Ce qui est vrai. Ile ya biya. Nous avons confiance en notre Dieu. Tunatumaini ya Mungu wetu. Qu'il va nous délivrer. Atatuokoa. Même si il ne nous délivrait pas. Hata kama situokoa. Nous savons que c'est lui qui est Dieu. Tunajua ni yeye Mungu. Nous n'avons pas peur de toi. Hatuna na oga. Oh, roi. Vis même éternellement. Ishi hata milele. Umela, umela. Kawia, mais pour ce qui est d'adorer tes dieux, nous ne le ferons pas. Parce que nous avons confiance au Dieu en qui nous avons cru. Il est capable de changer le feu à notre avantage. Est-ce qu'on peut trouver encore la foi comme ça? Des hommes qui peuvent dire, peu importe l'âge, nous avons confiance en Dieu. Des femmes qui peuvent dire, peu importe toutes les accusations, les blâmes, les moqueries, nous gardons confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. N'aie pas peur. C'est la maladie. N'aie pas peur. Vous savez, c'est comme le disait l'ancien Peter. Il y a quelques temps, ma tension était perturbée, vous n'avez pas eu. Un jour, maman pasteur me dit, si maman pasteur m'a dit, tu es tellement têtu que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Prends les produits. Je lui ai dit non. J'ai confiance. Que Dieu me guérira. Je dis, je ne pense pas que ce soit normal. Jusque là, du fond de mon cœur, je sais que je suis combattu. Dieu me donnera la victoire. Est-ce que je dis qu'il ne faut pas prendre les produits? Je dis qu'il faut avoir confiance en Dieu. Il n'a pas ça que à Mungu. Il y a des gens qui ont confiance aux produits plutôt qu'à Dieu. Kuna watu wanatumainia madawa kuliko. Il y a des gens qui sont tellement sûrs que si je prends la quinine, je serai guéri. Watu wanakuwa na hakikisho ya kusema kwamba nikakunywa tu kinini, mimi nitaponewa. Mais je sais une chose. Najua kitu kimoja. Ceux qui meurent, wale wanakufa, ils ne meurent pas tous de la malaria. Hawakufe wote na magonjwa ya malaria. Tu peux être guéri, soigné correctement. Unaweza kuponywa na tunziwa mzuri mzuri. Mais au moment où on t'attend que tu sortes de l'hôpital, tu meurs. Wakati unakuchunga utoke hospitalini unakufa. Fais confiance à l'Éternel plus secours. Tumainia Mungu kuliko madawa. Ne jamais négliger les traitements. Nawe usibeule kutunziwa. C'est très important. Ni ya lazima. Mais la confiance. Lakini tumaini. En Dieu. Ndani ya Mungu. Est-ce que tu peux confesser? Et tunaweza kuikiri. Je ne peur de rien. Je ne peur de rien. J'ai confiance en l'Éternel. J'ai confiance en l'Éternel. On a chanté ça ici. Tu l'imba apa. Atana butu, atana moi. Ata bushiku, ata buchua, sita ogopa. Ya wazali, mosungi nanga, na kubange lopote. Ya wazali, kubati langa, na matitia mubeshu. Amen, amen. Eyana butu, ata buchua, eyana moi, ata muchua, na kubange lopote. Sita ogopa kitu. Pourquoi? Dieu, Mungu, il me garde, aneni chua, il me protège. Aneni kinga. Fais confiance en Dieu. Tumaini ya Mungu. Savoir que Dieu est bon et fidèle. Kujua Mungu ni mwema na mwaminifu. Ça nous rassure. Inatuhakikisha. Savoir que Dieu est présent avec nous. Kujua Mungu ni hapa. Ça nous rassure. Inatuhakikisha. Même lorsque nous manquerons à manger. Hata wakati tutapusa chakula. Nous serons dans la joie. Tutakuwa mufuwa. Parce que nous savons. Tunachua. Que la vie. Maisha. Est plus que la nourriture. Ni zaidi chakula. Même lorsque nous manquerons les habits. Hata wakati tutapusa mavazi. Nous ferons confiance à Dieu. Tutatumainia. Parce que nous savons que. Tunachua. Le corps que nous avons. Mwili tunakuwa nayo. Plus que les habits. Ni zaidi. Il y en a des gens.
qui ont eu des habits, des beaux habits, mais ils n'ont pas pu les porter parce que le corps était rongé par la maladie. N'aie pas peur, même quand tu es affamé, n'aie pas peur. Dieu ne permettra pas que la famine puisse te tuer. Dieu interviendra toujours et toujours dans ta vie. J'aimerais dire prophétiquement, par la foi, à une femme dont les résultats médicaux dit que tu ne peux pas enfanter. Yes. Je viens te dire. Ambayo anasema hawezi kuzala. Je viens te kuambia. Je viens te dire. Baba na kwa kuambia. Le médecin voit la réalité. Wanganga wanaona ile iko kwa yako. Dieu qui voit la vérité. Ni Mungu anaona hiyo ukweli. Ça peut être réel. Inaweza kuwa ya kuonekana. Ce qu'on t'a dit. Ile walikwambia. Mais la vérité soutient. Lakini ukweli. Que du milieu de mon peuple. Katikati ya taifa. Il n'y aura pas de stérile. Hakutakuwa watasa. Ni celle qui avorte. C'est-à-dire. Si tu fais confiance au Dieu qui donne cette promesse. Il peut changer toutes choses en toi. Pour que sa parole qui est la vérité. Ne puisse jamais passer. Mais que ça s'accomplisse. Dans ta vie. La Bible me dit. La parole s'est faite chair. C'est possible pour toi que la vérité que Dieu a dit, que tu puisses la palper un jour. Yes. C'est possible. Deuxième point. Pour vaincre la peur. La confiance en soi. Dis avec moi, j'ai confiance en moi-même. J'ai confiance en moi-même. 1 Samuel 17. Samuel wa kwanja 10 na 7. 34 à 37. Makumi matatu na ine pa makumi matatu na 7. La Bible déclare. David dit à Saül. Daoudi akamwambia Saül. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, na wakati simba au ndubu alikuja juu ya kutosha mmoja wa kondoo, je courais après lui. Nilikimbia kisha yeye. Je le frappais. Nilipomupiga. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. Na nilinyanganya mwana kondoo toka kinywa chake. S'il se dressait contre moi, kama yeye anashambuliwa kwangu, je le saisissais par la gorge. Nilimukamata iyo kwa shingo. Je le frappais. Nilimupika. Et je le tuais. Na nilimuua. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Ni kwa maana iyo mtumishi wako alipopika simba na ndugu. Il en sera du Philistin. Na itakuwa hivi juu ya Wafilistini. De cet incirconcis. Ya uyu wasipokutayariwa. Comme de l'un d'eux. Kama kwa mmoja wao. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Wani alipotukana mkono wa Mungu mwenye kuwa hai. Verset 37. Shahidi ya makumi matatu. David dit encore. Daudi akasema tena. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Aliponiokoa kwa mankucha ya simba na kwa kinywa cha ndumbu. De la patte de l'ours, na kwa iyo migu ya ndumbu, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Ataniokoa tena kwa mikono ya Wafilistini. De ces Philistins. Ya awa Wafilistini. Uyu Philistin. Ya uyu Mufilistini. Et Saül dit à David. Saül akamwambia Daudi. Va et que l'Éternel soit avec toi. Kwenda nawe na wamilele akue pamoja nawe. La confiance. Tumaini peut être défini comme une assurance. Inaweza kuwa na maana yake kama hakikisho. Ou encore un courage qui vient de la conscience. Au odari inatokea kwa zamiri. Qu'on a de sa propre valeur. Tunakuwa nayo kwa mabei zake za upekee. As-tu confiance? Unakuwa na tumaini. Dans ta conscience là. Ndani ya zamiri lako. Que premièrement toi, tu as de la valeur. Kwa kwanza wewe unakuwa na bei. Tu dois avoir confiance que ta vie à toi, si vous permettez dans les termes courants, a une chance que l'autre n'a pas.
Unapasha kuwa na ile tumaini kama mnaweza kuruhusu tuseme hivi maisha yako ina babahati kwa ile mwingine ana nayo. Dans le Seigneur on peut dire que la grâce de Dieu est multiple. Ndani ya Bwana je peux trouver grâce. Inakuwa kadhalika. La grâce que je face à tel problème, ce n'est pas la même grâce que l'autre peut avoir face au même problème. Mais le secret pour surmonter la peur, j'ai fait confiance en Dieu que Dieu peut tout. Je crois, mais également, je dois me faire confiance moi-même. Vous savez, les chrétiens ont confiance que si le pasteur prie pour moi, Dieu va agir. Mais beaucoup de chrétiens ne croient pas que le même Dieu qui agit par le pasteur peut directement agir aussi si il priait. Anaweza tena kutenda kama yeye anaomba. Tu dois avoir confiance en toi-même. Unapaswa kuwa na tumaini mwako mwenyewe. Crois en tes valeurs. Amini kwa mabei zako. C'est également lorsqu'on parle de la confiance. Wakati unasema neno tumaini. Et là, en disant la confiance en soi, c'est aussi l'effet ni namuna tena de se connaître. Ya kujijua. Est-ce que tu te connais? Eti unajijua. Est-ce que tu crois en tes potentialités? Eti unajua kuma azina zako. Il y a des choses que toi seul peux faire. Kuna bitu wa mwenye unaweza kufanya. Si vous prenez toute votre famille depuis votre arrière-grand-parent jusqu'à toi, il y a des choses que toi-même seul tu peux faire. Tu wewe peke yako tu unaweza kubifanya. Yes. On a peur, on perd confiance en soi parce qu'on se dit mon père avait échoué, ma grand-mère avait échoué, mon grand frère a échoué. Automatiquement, je crois que moi également je vais échouer. Non. Fais-toi confiance. Si ils ont échoué, Dieu veut passer par toi pour arrêter l'échec et que la victoire entre en famille. Tu dois croire à ton potentiel. Tu dois croire à tes capacités. David croyait en lui-même. Il a parlé. Notez ceci. Andikele. Le manque de confiance en soi pousa tumaini va t'exposer au manque d'assurance. Itakutia kwa kupusa hiyo tumaini. Et ça va te soumettre à la vie de timidité. Itakutiisha kumaisha hiyo ya upore upore. On va confondre l'humilité et la timidité. Mushi mweke mvuruko kwa kati ya kujishusha na hiyo. Non, moi je parle pas beaucoup. Alors, je parle pas beaucoup. Non. Parler beaucoup ou ne pas parler beaucoup, ce n'est pas synonyme d'être calme. Ce n'est même pas synonyme de ne rien dire. Parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup avec leur bouche, mais avec leur cœur. Ils parlent trop. Bonjour mon frère. Bonjour. Je voudrais aller en France. Dieu m'a fait grâce. Après notre prière de trois jours, moi j'ai prié pour aller en France. Voilà, la voie est ouverte. Ça, c'est un en France. Que Dieu soit amour pacifique. Enfin, c'est tout. Oui, on a une chance. Je bénis l'éternel avec tout le monde. Mais dans son cœur, il continue. Moi, il va qui va lancer. On va t'aller en France, Dieu. Et voilà, la France. Comment? On ne va pas prendre ma chute, papa. Il est plus mal béni. À peine qu'il est venu ici au Merfite. Depuis qu'on a mais dans le cœur, dans le cœur. Mon bilomo, tu as dit seulement, gloire à Dieu. Na, que Dieu soit béni. Seulement, tu as dit que tu trouves quoi mon okay. Il y a d'autres personnes qui sont par manque de confiance en Dieu. Ils sont tombés dans la timidité. Comme des exemples simples que je donne les vendredis. Tu brilles, tu es un homme, tu as de l'âge. Tu vois une sœur. Tu rêves même d'elle. Et tu as confiance que c'est Dieu qui m'a montré. C'est rêve en tout cas, c'est Dieu. Mais tu n'as pas confiance en toi. Tu te regardes à toi-même.
avec ses pantalons vraiment. Est-ce qu'on t'a dit la sœur a besoin de regarder le pantalon? Elle a besoin d'entendre ce que tu veux dire. Oui mon frère, tu dis? Dieu tu commences manin? Non, je disais c'est vrai que Dieu est tellement merveilleux. Quand c'est toi c'est sana. Quand je regarde les fleurs, tout ça je me dis oh. Dieu est tellement bon. Non non. Non c'est la timidité, tu as peur. Tu regardes, tu dis eh. Hey. C'est l'enfant de qui? C'est le papa Simon. Mais tout on a ni papa Simon. Israël murmurait. Israël a dit quoi non. À cause de la peur. Dieu a oga. Dis à celui qui est à tes côtés. Ne murmure plus. Ne murmure plus. Dis-lui, s'il te plaît, ne sois plus timide. S'il te plaît, ne sois plus timide. On dit toujours, notre pasteur, il est humble, oui. Ah, pasteur, vous êtes encore au mais je ne suis pas timide. La Guinée, Anna, quand il faut parler, je parle. Wakati après chaque semaine, c'est maka. Pour que je sois le mari de cette femme que vous voyez. J'ai prié et puis j'ai parlé. Seigneur, si c'est elle, fais à ce qu'elle puisse porter la chemise blanche et qu'elle passe par la route ici. Si tu vas passer par la route, je serai Seigneur. Dieu aussi, quoi, Boulou Mayake, la sœur aussi porte la chemise blanche, la sœur passe par là. Mais parle. Tu n'as pas confiance en toi. Les gens qui n'ont pas confiance en eux, ils diront toujours, ça je ne peux pas. Ah non, non, c'est impossible. Ça n'ira pas. Je manque de confiance. Je viens t'influencer pour que même ton discours change. Je l'ai dit le vendredi. Le Saint-Esprit te saisira, tu prophétiseras avec lui. C'est-à-dire, tu parleras sous l'inspiration du Saint-Esprit. Tu seras influencé par lui et tu parleras. Et écoutez la bonne nouvelle. L'esprit que tu as reçu n'est pas un esprit de timidité. Non. Je voudrais qu'au travers de ce message de ce matin, que les démons de timidité te quittent. Je ne t'invite pas à dire n'importe quoi, mais à être précis à ce que tu vas dire. Pourquoi? Parce que ton attitude, ton expression, ta parole, en ayant confiance en toi-même, peut aussi déterminer ta destinée. C'est ce que tu dis de toi sous la grâce de Dieu qui arrivera pour toi. Amen. Si tu dis je serai un grand homme de Dieu, ça arrivera par la grâce de Dieu. Si tu dis non, moi je serai seulement dans les bancs, tu resteras dans les bancs. Amen. À ceux qui veulent rester dans les bancs, vous êtes déjà influencés. Dites quelque chose de bon pour vous-même. Alléluia. Amen. Entendre les voix dans vos cœurs. Baba napenda kusikia misemo mioyo zenu. C'est comme j'entends Jean dire, le frère Jean Samouchette dire, en tout cas, ça y est, je dois me lever, je dois faire quelque chose. Ça veut dire que le frère Jean Samouchette a dit, ah, binafika ça, c'est ça, la voix de l'esprit pour Jean que j'entends. Jo ile sauti ya roho ile baba nasikia. Et je dois me lever. Hapa napasha kusimama. Je dois faire quelque chose pour napasha kufanya kitu kimoja juu ya Mungu wangu. Alléluia. Amen. La confiance en soi nous amène à penser positivement de nous-mêmes. Tumaini ndani ya mwenyewe inatupeleka kuwaza mzuri mzuri sana juu ya sisi wenyewe. Et comme je le disais tantôt, ce que nous pensons de nous-mêmes
détermine également notre destin. Ile tunawaza kwa sisi wenyewe inaonesha hata mwito wetu. Alors rapidement analysons les paroles de David qui avait confiance en lui-même. Waraka tuone hiyo misemo ya Daudi alikuwa na tumaini ndani ya yeye mwenyewe. Premièrement verset 34. Ya kwanza shahidi lake la makumi. La Bible dit David dit à Saül. Biblia inasema Daudi akasema na Saul. Tout ce qui va suivre. Yote itafuata. David est en train de parler de lui-même directement à Saül. Anakuwa anasema juu ya yeye mwenyewe kwa Saül. Ne jamais avoir honte de parler de tes exploits ou de ton témoignage. Siwe kama na oka juu ya kusema hiyo ya bile vizuri vyako. Ne jamais, je dis encore, dans la vie. Kamwe mu maisha. Ne jamais honte de parler de toi-même. Usikwe na oga ya kusema juu ya wewe. Ne jamais honte de parler de tes exploits avec Dieu. Usikwe na oga kusema binye bikubwa ulifanya na Mungu. Ce n'est pas de l'orgueil. Aina kiburi. C'est un témoignage. Ni ushuda. Il raconte à Saül. Saül ne connaissait pas. Anamonesha Saül, Saül ashikujue. Il dit, tu me vois? Uniniona. J'étais là-bas en brousse. Nilikuwa kule porini. Le lion venait. Iyo simba alikuya. L'ours venait. Ndumbu alikuya. Si il osait attraper la brebis. Walipima kukamata mwana kondo. Je courais après lui. Nilikimbia kisha. Je l'ai frappé. Nilimupika. Je l'ai saisissé à la gorge. Nilimukamata. J'ai arraché la brebis. Nilinyang'anya iyo kondo. C'est ce que j'ai fait. Ni ile nafanya. Il parlait de lui-même. Anasema juu ya yeye mwenyewe. Aie confiance en toi. Tu m'as ni de toi-même. C'est ma Dieu à wewe mwenyewe. Parle de tes capacités. C'est ma Dieu à ma nguvu zako. Vous savez, ça m'a toujours étonné. Le petit frère là. Petit ce frère ici était avec nous ici. Jouant la guitare. Mais je ne savais pas qu'il était un ingénieur électromécanicien ou comment. Baba shikujua ya kwamba alikuwa un ingénieur électricien. Maneno hii ya moto hii. Le frère que vous voyez, Pétion, qui joue à la guitare solo ici. Il joue bien, n'est-ce pas? C'est un ingénieur électricien, tel que vous le voyez. N'ayez même pas honte. Si dans votre société, on cherche un électricien qualifié, n'ayez pas honte, prenez-le. Je le témoigne. C'est un bon. Vous n'appréciez pas les vôtres. Dites amen. Amen. Chez toi, l'installation, je ne sais pas comment on a fait. Toi-même, tu es conscient qu'il y a beaucoup de fans bien. Prends le frère là. Mes enfants l'appellent Mankamba. Mankamba. Watoto wanamuitaka hiyo Mankamba. Donc Mankamba ya guitare na Mankamba hii yetu ya moto. Anabiuwa. En tout cas, ni mwenye kubifamia. Petio Mankamba. Nduku Petio Mankamba. Et quand je parle, je voudrais que vous soyez influencés. Je sais qu'il y a des gens qui construisent. Je sais que des gens ont des problèmes d'électrification. Je vous influence. Que ce frère ne manque pas le travail. Qu'il travaille lui-même, qu'il dise c'est l'année d'influence. On m'a influencé. Je n'ai plus de repos. Je travaille. Et il ne manquera pas à manger chez lui. Alléluia. Amen. David a parlé de lui. Le frère ne parlait pas de lui. Dieu a fait grâce, on l'a découvert. Mais toi, parle de toi. Si tu sais quelque chose, tu connais quelque chose en rapport avec ta vie, parle de ça. Comment est-ce que tu as cash balumbani? Si CV. Si vous allez chercher le boulot, on demande quoi? Oui, CV, à quoi tu parles? Babangu, ni wakbandund. Mamangu. Mon père est de Mangundu. Ma mère est de Kukasai. Non, non, ça n'a aucun sens. Tous ceux qui suivent là, Nyaria. Parle de toi. C'est mon Dieu. Et vous avez vu David envoyer son frère, va parler pour moi au roi. Moi, David, lui-même. Jésus guérit un aveugle né. Les pharisiens ont contesté. Ils ont posé la question aux parents. Écoutez la réponse des parents. Il a de l'âge qu'il parle pour lui-même. Un homme qui sait parler pour lui-même, c'est un homme mature. C'est un homme de l'influence positive. Il est sûr que quand je vais parler, c'est pour convaincre. David est devenu ami à Jonathan, Daoud, c'est juste parce qu'il avait parlé. Rafiki ya Jonathan ni tu aliposema.
Il y a des choses qui vont se déclencher parce que tu sais parler. Kuna vitu vinaweza kupasuka njoo na ya kusema. Dis à celui qui t'écoute, tu as appris quelque chose. Tu as appris quelque chose. Dis-lui, commence à parler. Commence à parler. De toi-même. De toi-même. Et pour toi-même. Et pour toi-même. Oh maman, est-ce que vous êtes semé là pour le cerveau? Et maman, on est joué pour les semé là pour le dad. Et mon échani. J'ai dit ça. Maman, je vais comprendre tout. Nini. Maman, comprenez seulement. C'est moi, oui, moi. Va, va parler toi-même. Pour ma célibat, il y a un. Il y a d'autres célébats qui vont tomber. J'ai toujours pensé un jour organiser une réunion de prière des célibataires. Tout na funga ma fenêtre na milango ma ombi na anza tout. Fenêtre. La prière commence seulement comme ça. Demande à Dieu une femme. Mombe quoi Seigneur donne-moi une femme. Demande à Dieu un mari. Seigneur donne-moi un mari. Est-ce que tu crois que Dieu va te donner? Oui. Amen, amen. Ouvrez les yeux. Regardez. Regardez. Est-ce qu'il y a pas de belles filles ici dans l'église? Est-ce qu'il y a pas de beaux gars, de frères beaux ici à l'église? Nous continuons, vous nous donnez des sujets de prière. Il y a déjà des réponses vous-même. Non, c'est pas normal. Où sont les célibataires? Balabayao avec quoi? Tenez-vous debout. Mais tenez-vous debout, non? Mushima Mechu. Levez-vous. Il n'y a que des frères. Ce sont seulement les frères. Wandukutu. Il n'y a que des frères. Banamuke babashabao abote. Les célibataires, les hommes comme les femmes, les garçons comme les filles, tenez-vous debout. Je n'ai pas dit les fillettes, non, les filles. Ça, c'est un danger. Vous voyez les hommes qui dévorent les autres, les femmes qui dévorent les autres. Un bon pays où coule le lait et le miel, c'est ça. Observez-vous, observez-vous. Qui a vu quelqu'un? Nana ona muntu. Oh. Donc vous n'avez rien vu. Moi mon kintu. Mettez-vous. Mwikaleni. Acclamez pour la gloire. Mushangilie jo utukufu wa Mungu. Cette année, hiyo mwaka, vous serez influencé. Itamisukumwa par le Saint-Esprit. Kwa Roho Mtakatifu. Comment tu non, on ne peut pas être dans l'église. Comme si nous étions en Mbujimayi. Atwezi kuwa mkanisa, sasa tulikuwa kumbujimayi. Le diamant est là, mais nous ne voyons rien. Amalasi kupale, mais atone kitu. Quand on entre dans l'église avec le Saint-Esprit, les yeux s'ouvrent. Wakati unaingia mkanisa Roho Mtakatifu anafunguka. On voit. Naona. Parle de toi-même. Sema juu ya wewe mwenyewe. Les gens qui ont honte de parler d'eux-mêmes à Dieu. Ku watu wanakuwa na haya ya kusema wao wenyewe kwa Mungu. Dans la prière. Ni mon maombi. Dis à Dieu, Seigneur, je suis une belle femme, je n'ai pas de mari. Ni ku mwanamke mzuri lakini sina bwana. Et tu pries à haute voix, les gens entendent. Kisha kunaomba nguvu wa kumpembena kwa nakushikia. Donc frère, moi nashika maombi, sema no. Frère dira, amen. Amina. C'est simple. Ni wepesi. Seigneur, donne-moi le. Non, dis Seigneur, donne-moi le mari. On est parti avec Obuana. Toi aussi, dis Seigneur, donne-moi la femme. On est parti avec Mouké. C'est ma Dieu, mon Dieu. Parle de toi-même. C'est ma Dieu, mon Dieu. Amen, amen. Amen. David a dit à Saïr. David a dit il a parlé de lui-même. Il n'a pas eu honte de dire ses exploits. Mais un conseil ici. Shauri hapa. Ce que tu dis de toi-même, veille à ce que ce soit vrai. Amen. Ne dites pas des mensonges pour impressionner. Est-ce que tu comprends?
Père, son âme, mon regretté père. Baba yake mnyalipokufa salama. Il nous disait qu'il n'avait jamais peur. Alisema kwa kena oga kamba. C'est ça qu'il nous disait. Yeye alikuwa anasema. Moi, je n'ai jamais peur. Mimi shikaye na boka mimi. Jamais peur. Michez kwa na boka. Alors notre maman contestait toujours dit non. Maman était quoi pas na bishaka. Votre papa il est peureux. Baba nous ni mtu wa boka boka. Papa dit moi non. Mimi boka. Alors maman nous donne exemple. Maman il dit une fois lorsque nous étions encore au village. Wakati tulikuwa ku kijiji. Nous partions de leur village. Vers les nôtres. Il fallait, comme les villages, celles qui ont été villages, vous savez déjà, entre les villages, il y a toujours des cimetières. Alors ils devaient passer par les cimetières. C'était déjà le soir. Ses parents lui avaient dit, la fille de tout ne peut pas passer nous ici, ramène-la dans son village. Et maman était avec sa petite soeur. Papa les accompagne. Ils arrivent devant les cimetières. Papa entonnait un cantique. Baba na imba mwimbo. Qui n'existait pas. Mwimbo ya kuyake. Tu veux chanter ça tel qu'en Kikongo. Baba te imba paka bimbo. Kusekanabetuve. Et il demandait à maman et à sa petite sœur. Vous commencez à dire. Moi moi je kufanya kusekanabetuve. Je dis c'est quoi ça? Nini? Il chantait à qui? Walikuwa na imbia nani? Il m'a dit, oui, j'ai chanté. Mais pourquoi? Dieu a dit. Wow. C'était au cimetière. Non. Il y a quoi? Oh, t'as imbi à bafou, non, non, ou tu chais. Non, non, toi tu vas chanter pour c'est le mort. C'est la peur. Non, il y a quoi ni yoga? Ça ne sert à rien de mentir aux enfants. Non, moi je suis courageux pendant que tu ne l'es pas. Aïna, tu seras toujours exposé. Ouais, et on va découvrir ta déclaration par rapport à ta vie si c'était correct. Kama inakuwa ni ya kweli na maisha yako. David a dit j'ai tué les lions, j'ai tué l'ours. Daudi anasema na uwa. Alors Saul va lui dire quoi? Na ndumbu. Va. Kumwisho Saul anasema nini? Quelle terre avec toi? Wende wale la. Mais kama landa bongo. Mais si tu avais trompé. Dis à celui qui est à tes côtés, parle de toi en vérité. Parle de toi en vérité. Ça c'était du passé. Il dit quoi ni les chats. Papa dit non, j'avais pas peur, j'avais chanté. N'est-ce pas nous étions passés? Oui. Un jour, si kungine, Dieu a exposé notre père. Mungu sasa namweka peu peu. Ma sœur va dormir. Vous savez à l'époque là, il y avait même pas de courant chez nous. Wale wakati hakukua hata mwanga za umeme. Il y avait plus de pétrole. Akukukua la lampe s'était éteinte. Ata mai za kuhakisha nayo. Ta. Na vous voyez les matelas là, comment on appelle ça? Fichères, c'est quoi là? Ça glisse, hein? Les pannes là qu'on avait mis, pas les draps, les pannes. Il est bikouembe batanji. C'est parti d'un côté et ça s'est noué de soi. Kisha il est ma soeur sous le sommeil là le feu. Il a hyper dit papa, il y a un serpent. Yoka. Donc papa va entrer. Papa y a boka ingi. Et là il a parlé en dialecte. Parle à quoi na sema mukali. Bikani kuka. Bikani mukani. Bikani kuka. Ah, pas grave, papa ne bise. Ushitenke. Ah, ushitenke. Eh, ushitenke. Ah. Mais là, il dit ushitenke, donc mais reste là-bas. Mais ne bouge pas. Mais oui, papa. Il prend déjà. Je crois qu'il avait pris les malaxers là, des foufous. Ne bouge pas. Ushitenke. Mais là, nous tous, nous étions derrière lui. Bah, on débarque quoi, nyuma. On dit papa, c'est quoi? Baba, non. Il y a les serpents. Attendez. Papa. Baba, on va les mordre. Non. Ne bouge pas. Mustenke. Avance, il n'avançait pas. Allez, alors maman dit, maman Zema, laisse-moi passer. Achani pite. Laisse-moi passer. Achani pite. Non, quand maman entre, lui aussi il avance. Wakati maman ngena na sokiambe. Maman dit, tu as vu le serpent? Oui, papa, c'est où? Sur le lit. Wakitanda. Il allume la lampe. Maman na wakishata. Regarde, c'était le pan. Il quoi ni kigwemi? Parle de toi en vérité. Parce que Dieu, c'est ma Dieu il va m'en toujours m'en t'exposer par rapport à ton expérience. Par rapport à ce que tu dis de toi-même. C'est pourquoi Jésus va dire, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, et que tu crois sans douter dans ton cœur, ce que tu dis là, ça va s'accomplir. Aie foi, confiance en toi. Parle de toi selon la vérité. Le temps viendra. Tu seras face à l'épreuve. Ta parole s'accomplira. Malheureusement,
Beaucoup de papas nous mentent. Ils mentent toujours les enfants. Lorsqu'il y a un devoir de mathématiques, dis à ton enfant, en tout cas moi je n'étais pas fort en maths. Cherche même ton grand frère. Moi j'étais très fort en mathématiques. L'enfant retient, papa était très fort en mathématiques. Quand il t'amène l'exercice de maths, Non, ramène ça chez ta maman, moi je suis fatigué. Tout ce que tu as dit de toi, c'était faux. Aie confiance en toi, dis ce qui te concerne avec assurance, avec vérité. Face à l'épreuve, tu auras la victoire. Je sais que ta façon de parler va changer. Tu n'auras pas peur de parler de toi. Tu n'enverras personne parler de toi. Et tout ce que tu diras de toi sera la vérité. Et la vérité s'accomplira en ta faveur. Amen, amen. Amen. Lorsque vous allez au verset 36, David dit, c'est ainsi que David a dit, if you bas. Et il termine la phrase en dira, et il en sera du Philistin. Na itakuwa iyo kwa uyu mu Philistine. C'est-à-dire l'assurance. Nikusema akikisho. Je ne doute pas. Shina na shaka. De la même manière que ça a été. Munamna moja moja lipo. Pour le lion et pour l'ours. Chuyandu. Pareil, ça sera pour lui. Na ivi itakuwa juu yake. Je le certifie. Miye na yakikishwa. Écoutez, c'est pour dire quoi? Juu ya kusema nini? Si tu n'as pas confiance en toi-même, personne d'autre n'aura confiance en toi. Si papa arrive seulement ici devant, je dis c'est l'année d'influence. Moi-même je ne crois pas. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Voyez comme je vous ai dit, la semaine prochaine, le niveau là, il y aura déjà des chaises rouges. J'ai confiance. Que quand je suis en train de parler, les hommes vont suivre. Je crois. Papa a dit, nous allons faire. Telle a fait, moi aussi je vais faire. Et vous allez voir que ça va s'accomplir. Beaucoup de gens, on ne leur fait pas confiance parce qu'eux-mêmes n'ont pas confiance en eux-mêmes. Tu présentes à manger aux gens. On a échappé à quoi là-bas tout. Y a quoi les béni? Je suis attaqué comme un bigot bien. Et puis quand tu vas filer quoi? Tout à coup là? Et nous allons manger. Coup, là? On va pas manger. Tout à coup? Toi-même tu ne crois même pas. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu as préparé? C'est bon. Qu'il a oublié qu'un kizuri. Un jour nous étions dans l'église. Je ne sais pas si maman ou Monsieur Peter était là avec nous. Si comment? Un ancien se tient devant l'église. Musée moi na si maman ou Kani, ça me la Kani. Bien aimé, nous allons prier. Pour papa, le papa là s'appelait Solomon. Nous allons prier pour papa Solomon. Papa Solomon. Que Dieu puisse les guérir. Qu'est-ce qu'il inspire? La foi. Imagine, hein? Il est malade, mais que Dieu fasse quoi? Le guérisse. Mais écoutez ce qu'il ajoute. Prions seulement. Tu ombes tout. Parce que la manière dont je l'ai trouvé, en tout cas, il y a Kétien. Il annule toute la foi. Ouais. Tu naomba, mais pas tu peux la checker, pas tu peux la douter. Mais les gens ont douté. Mais c'est qu'on a échoué, il vit pas. Mais la troisième chanson, papa Solomon a couffé. Papa Solomon est mort. Non. Aie confiance en toi. Quand tu m'as dit dans Niako. Aie confiance en toi. Il n'y a rien à manger à la maison. Hakuna chakula kunyumba. Ta femme te dit, si c'est ta femme, non, ne t'en fais pas, mets de l'eau là-bas, j'arrive. Aie confiance. Aie confiance. Posez des questions pour ma papa, c'est ma papa Simon. Ville Balianzaka Maïsha. Tout n'était pas rose. Hein? Papa Simon, il y a une ville. Ah! Batoto, va comer. Batoto, va fondre ma somme. Ababao. Ababao, va licencier. Ah! Aie confiance en toi-même. Ne rêve pas de choses fausses. Oh non, ma soeur, tu vois, je t'aime. Non, maintenant, ça habite à quoi, Dieu? Non, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Dieu m'a dit, il va le faire. Je crois. Hein? Et tu crois, tu passes à l'acte.
Un jour, le pasteur avait dit que nous sommes des millionnaires. Oui, il a dit. Dieu a dit c'est travail. Travail. Et au verset 37. J'ai dit à Makumi Matatu na Saba. La Bible dit David dit encore. Il a sema Daoud a cassé Matthieu. C'est pour rassurer. J'ai l'assurance, je dois rassurer les autres. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le Dieu qui m'a donné la victoire, c'est lui qui le fera. Il rassure Saül. Et automatiquement, Saül lui dit, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen, amen. Amen. Parle de toi, aie confiance en toi. Lorsque les gens verront ton assurance, ils vont te faire confiance et ils vont prier pour toi, ils vont te pousser pour que tu remportes cette victoire-là. Ce matin, je veux que tu aies la fermeté et la confiance en Dieu et aussi en toi-même. Crois que tu peux tout par la puissance de Dieu qui est en toi. Crois que les compétences que tu as, ce n'est pas en vain. C'est pour que tu saches faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Crois que la grâce de Dieu sur toi t'aidera pour atteindre ce que les autres n'ont pas pu atteindre. David avait ses frères. Saül était là comme roi. L'armée tout entière était là. Mais personne n'avait le courage, n'avait confiance en soi pour aller défier Goliath. Dieu t'invite à ça. Lève-toi. Aie confiance en toi. Et prochainement, dans les points qui viennent, nous parlerons de relever les défis. Si tu as confiance en toi, tu dois relever les défis. Relever les défis, c'est-à-dire accepter les challenges. Les défis viennent. Tu dis, je suis prêt. Je ne recule pas, mais j'avance. Alléluia. Amen. Avec l'aide du Saint-Esprit, beaucoup de vies seront transformées. Le pauvre partira et il y aura la gloire de Dieu qui va nous accompagner. C'est possible avec Jésus. N'ayez pas peur. Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Amen. Ne t'inquiète de rien. Ce matin, j'aimerais que tu pries. Que Dieu remette la confiance en toi. Peut-être que tu ne croyais même plus en toi-même. Il y en a qui ne croient même pas en la grâce qu'ils ont. Vérifie toi-même quand tu regardes à ton miroir. Qu'est-ce que tu confesses pour toi? Tout ce que tu dis de toi, est-ce que c'est correct? Ou bien ce n'est pas correct? Vérifie. Angalia. As-tu encore confiance en toi? Ou as-tu confiance en Dieu? Mungu. Sinon, Wabure. Dis à Dieu ce matin, Mungu asubuhi, renouvelle ma confiance. Oui, Mungu. Renouvelle ma confiance envers toi. Et renouvelle ma confiance envers moi-même. Commence à prier. Anza kuomba. Commence à prier. Anza kuomba.